Tout à fait. Autorité, nous avons le général Mathurin Bangoura, gouverneur de la ville de Conakry. Monsieur Mathurin est accompagné par ses cadres. Monsieur Moubir Chérif, son directeur de cabinet. Nous avons M. Toupou Koïdjouno, chef de cabinet. Et nous avons M. Houssène Keta, action humanitaire. Et au niveau de l'éducation, nous avons notre frère. Vous avez l'habitude de recevoir Mme Léontine Sissépo, l'inspectrice régionale de la ville de Conakry, qui est à vous. Qui est aujourd'hui en mission à Bouquet, et c'est son confrère qui la remplace à Conakry. Il s'agit de M. Mouktar Camara, l'inspecteur régional de la ville de Kindia. Et nous avons M. Fodé. C'est là le DCE de Dixin. On a Mme Hadja Mma Touré, qui est à l'inspection régionale de l'éducation de la ville de Conakry. On a Hadja Gené Mama Kaba, coach régional communal de Conakry. Et nous avons... sont passés par là, y compris ceux de la presse. Donc c'est un examen comme tout autre examen que vous avez l'habitude de faire. Vous êtes passé du primaire au collège. Les examens que vous avez passés au primaire avant d'aller au collège, considérez que c'est les mêmes examens que vous allez passer aujourd'hui. Ce n'est pas un tabou. Si vous avez travaillé toute l'année durant, je ne trouve pas de raison que vous ayez peur d'affronter les épreuves de ce matin. Donc, la salle qui nous reçoit maintenant, où le lancement va être fait, nous souhaitons la bonne chance à tous les candidats ici présents, mais j'espère que la salle qui nous permet aujourd'hui de faire le lancement fera 100% d'admis. Il y aura 100% d'admis. En tout cas, c'est le souhait pour les candidats. Mais surtout, là, nous allons ouvrir les épreuves. Donc, nous sommes pris par le temps, avec la permission de M. l'inspecteur et des cadres ici présents. Voilà l'enveloppe contenant le sujet qui va être lancé. Présidé le lancement des épreuves du BTC ici, dans la commune du centre 1. Dans le cadre de ce lancement, quel conseil donnez-vous aux élèves et à l'encadrement dans le cadre de l'urgence sanitaire? Bon, par rapport à cette question, d'abord je vous remercie de venir avec nous assister à ce lancement des épreuves du brevet. Vous posez la question de savoir les mesures qui sont prises par rapport à l'urgence sanitaire, comme vous l'avez déjà constaté dans la cour. Je pense que c'est l'une des cours les plus propres. Il n'est plus entretenu. Vous voyez déjà, les kits sont un peu partout dans la cour. Donc le conseil que nous allons prodiguer pour un premier temps, parce qu'il viendra, on vient de nous présenter l'inspecteur de l'île de Kindia. Les dispositions, le maire qui a annoncé, les dispositions ont été prises parce que les kits ont été distribués par le département de l'éducation. Pour que les élèves, y compris l'encadrement, puissent utiliser ces kits pour nous éviter
la contamination. Donc aujourd'hui, je m'en fiche et que les élèves et l'encadrement puissent bénéficier de ces matériels qui ont été mis à disposition. Alors, et ensuite, quel conseil donnez-vous aux candidats aujourd'hui? Aux candidats, je l'ai dit dans la salle, c'est un examen comme les autres examens. Il n'y a rien d'exceptionnel. C'est des élèves, c'est des enfants qui ont quitté le primaire pour le collège. Ils ont fait un examen, ils ont fait des examens durant tout leur temps au primaire, le passage en septième année. Donc cet examen d'aujourd'hui n'a rien d'exceptionnel. C'est des épreuves qu'ils ont déjà vues dans leur classe. Nous leur disons d'être sereins par rapport à cet examen. Ils se sont préparés pendant toute l'année, donc je ne trouve pas de raison qu'ils ne réussissent pas à cet examen. Il faudrait, on leur demande d'être sereins, de ne pas avoir peur, parce que c'est un examen comme tout autre examen. Donc c'est ce conseil que nous avons demandé aux enfants. Et au même moment, leur dire d'observer les mesures sanitaire par rapport à la pandémie que nous traversons aujourd'hui. Merci beaucoup. Monsieur le maire, merci beaucoup. Le directeur du cabinet est là, le chef du cabinet. Dès que vous avez terminé entièrement, vous passez en silence. Pour le 105 salles de classe. Combien de surveillants? Bon, multiplie cela par deux, c'est pour ça. 210. Monsieur le chef. Il y a eu des absents. Pour le moment, on ne peut pas le savoir. On a au lancement quelques minutes après, on va faire le contrôle pour vous dire s'il y a des absents. En fin de semaine, on vous dira ce qu'il y a comme absence. Mais ce que nous savons, il y a eu 2674 candidats régulièrement présentés. S'il y a des absents, il peut y avoir des maladies, il y a beaucoup de choses. Qu'en est-il de la région de Conakry, puisque c'est le bac, le brevet a une vocation régionale? Car les statistiques. Et ça, c'est ça.